Club de lecture de Je passe partout. Groupe de 5e année et 6e année. École Saint-Jean-Baptiste de la Salle 2020-2021. Notre héroïne commune. En faisant un mélange des caractéristiques de tous les personnages principaux que nous avons rencontrés dans le livre, voici le portrait que ça donne. Notre héroïne est adoptée. Elle fait du skate, elle a un tigre en papier qui peut se transformer en vrai tigre. Waouh! Et elle voit des papillons, ce qui est très rare. Elle est courageuse, travaille toute seule, se croit supérieure aux autres et se prend pour la chef. Elle a beaucoup d'imagination et elle a deux papas. Elle croit être jeune, mais elle est vieille. Mais elle fait beaucoup de blagues, mais elles sont nulles, ces blagues. Des fois, elle s'énerve trop vite, donc elle peut te crier et te taper fort. Elle s'habille avec de grandes boucles d'oreilles jaunes et laides. Elle demande tout le temps de l'argent à ses proches et ses proches sont bêtes comme elle. Elle aime jouer au bateau, elle aime son chien, ses parents, elle ne va pas à l'école. Waouh! Elle est drôle, mais calme, très énergique, créatif et bizarre des fois. Il lui arrive d'être une abruti, qui veut dire idiote, et peut parfois, pendant une journée chaude d'été, prendre un paquet de blocs de glace et de l'eau glacée et lui mettre sur sa tête bêtement en public. Elle a de longs cheveux multicolores, elle a aussi de grandes ailes blanches, ses yeux sont de couleur galaxie avec des étoiles à l'intérieur. Bonus, un résumé de lecture par Maya. Morgane est une fille pas exactement comme les autres. Elle n'est pas très belle, mais elle s'en fout. Elle a une amie du nom de Brie. Elle est la plus belle de à peu près toute l'école. Morgane est devenue folle amoureuse du nouveau, Cal. Cal est pratique le Wicca. Et a fait un cercle de Wicca. Morgane, qui était folle amoureuse de lui, voulait en savoir plus sur le Wicca.